keep the same energy. Work on being better when I'm 70. Your drip is just a water spring. You know I drip different, it's the seven seas. I deal with life different, make that lemon squeeze. Went off with my style and identity. Better bounce back and get the cheddar cheese. I guess that's why they envy me. On track, now we gon' way up. Oh, le soleil! Bon, on le fait ensemble? Salut les petits Girondins, c'est le motard Girondin. Et effectivement, ça fait très longtemps, bon, très longtemps, plusieurs mois que j'avais disparu. Donc vous avez plein de questions. Je suis très content déjà de vous retrouver. J'espère que le soleil va pas gâcher la vidéo. Parce que là, je l'ai en pleine tête. Vous avez beaucoup de questions, vous posez beaucoup de questions. Puis je suppose que cette moto vous a manqué. Oh pardon, on va se calmer parce que la bête, elle est, elle est assez nerveuse aujourd'hui. Vous avez beaucoup de questions à vous poser. Pourquoi je suis parti, pourquoi ben, j'ai arrêté YouTube pendant plusieurs mois. Déjà, première chose, je suis très content de revenir, je suis très content de pouvoir rééchanger avec vous. Ça m'avait beaucoup manqué, YouTube, ça m'avait beaucoup manqué vraiment. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, c'est ma vie privée. Hein. Dans la vie, il y a des moments où on a des épreuves à passer. Voilà, des épreuves à passer et on en sort plus grand. Et tout simplement, voilà, j'ai eu une année merdique 2020. Comme beaucoup de monde, hein, avec le Covid et tout, ça a été une année toute pourrie. C'était une année pourrie, hein, que ce soit pour tout le monde, et j'espère que ça va mieux vous aussi. C'était une année pourrie. Moi, ça a été une année pourrie sur plein de points. Ça rend plus fort, voilà. Toutes les épreuves que j'ai passées, ça m'a rendu plus fort. Ça m'a permis d'avoir d'autres projets personnels. Donc je vais revenir sur YouTube. Je vais revenir mais avec des nouveaux... Alors moins de vidéos déjà, ça sera moins... Hein, voilà, ça sera vraiment quand j'aurai envie d'en faire. Mais par contre, je vais faire des vidéos différentes. Ce sera vraiment différent. Ce sera des formats différents. Les deals observations, je n'en ferai plus. Test moto, j'en ferai encore. Mais je vais. Ce sera des tests moto entre guillemets moins sensationnels. On va tester vraiment la moto. Je préfère faire des tests moto vraiment sur. Pas que sur la puissance de la machine. En tout cas. Que je voulais vous dire, que j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez surmonté cette année 2020. Ça a été très compliqué avec le Covid et vos problèmes perso, parce que chacun a des problèmes perso, des leçons de vie et tout ça, ça permet de devenir plus fort. Et voilà, de grandir. Ça apporte plein de choses. Faut pas se laisser. Je sais que c'est pas facile dans la vie. Hein. Il y a des choses qui sont très dures dans la vie, mais il faut pas se laisser abattre. Il faut toujours rester positif. Voilà, c'est un message que j'essaie de vous faire passer. Il faut toujours rester positif, ne prendre que le côté positif des choses. Parce que si on se base sur le négatif, eh ben, au final, on va rester négatif tout le temps et ça va jouer sur le moral. Voilà. Je pars du principe où on pense positif, on attire du positif. On pense négatif, on attire du négatif, tout simplement. Voilà. Et chose importante, il faut faire ce qu'on aime dans la vie. C'est le principal. Enfin, moi, ce sont mes valeurs et ce que j'ai appris dans la vie. Faites vraiment un métier ou autre, hein, voilà, des activités qui vous plaisent. Moi, j'ai des nouveaux projets dans le sport qui vont arriver en décembre. Moi, j'aime YouTube, ça me fait plaisir toujours de revenir sur YouTube, d'échanger avec vous parce que vous m'avez un peu manqué quand même, j'aime bien, voilà. Oui, chose très importante. Mes mères, là, que je surkiffe, hein, c'est cette moto, c'est... Je l'adore, c'est... Voilà. Mais comme vous avez pu voir, c'est... J'accélère à peine, on est à des vitesses de malade. Et puis voilà, elle n'est pas toujours hyper polyvalente, la route tous les jours. Aujourd'hui, je pense, j'aimerais avoir une moto plus polyvalente. Je ne retrouverai certainement pas un moteur comme elle a. Hein. Elle est très attachante, cette moto. Elle donne des sensations uniques. Voilà, je vais la vendre. C'est pour ça que je pense que je prendrai une moto plus polyvalente. Pour ma vie d'aujourd'hui, pour ce que je fais maintenant, les routes que je fais habituellement, je n'ai plus trop l'utilité de la sportive. J'ai des projets qui vont me coûter quand même de l'argent, donc j'ai besoin de la valeur de cette moto, tout simplement, parce que c'est une moto qui est assez chère quand même. Donc voilà. Hop, 80, hop. Si vous êtes intéressé, bien sûr, vous savez très bien que je m'occupe bien de mes motos, je suis même un peu maniaque. Donc si vous êtes intéressé, vous venez, je vous mets le lien dans la description, parce que j'aimerais bien que cette moto finisse chez un abonné, ce serait cool.
J'ai pas envie qu'elle aille chez n'importe qui. Si vous êtes intéressé, je vais la vendre là dans les semaines qui vont arriver. Je suis quand même attaché à cette petite moto là. Enfin, cette moto. C'est une partie de moi, cette moto quand même. De toute façon, j'ai une autre moto. Je vous mets juste la moto. Enfin, je vous mets la photo juste ici. J'ai une autre moto. J'ai une GPZ que j'ai acheté pas cher, une GPZ 500. Pour les motards qui connaissent le film de Top Gun, vous savez ce que c'est une GPZ. Mais moi, c'est la version 500. Peut-être j'envisage une Ninja 650, les nouvelles versions, parce que j'ai bien aimé mon ancienne moto. Effectivement, elle avait moins de chevaux, mais si on prend du recul sur les choses, elle est beaucoup, beaucoup plus polyvalente et adaptée à la route. Voilà. Et encore, cette sportive est très, très adapté à la route, hein, pour une sportive, hein, voilà. Je voulais passer un message. Le but dans la vie, c'est de trouver son chemin, faire ce qu'on aime, être entouré de personnes qui nous aident dans nos projets, qui sont là pour nous aider à devenir une meilleure version de nous-mêmes. C'est très important. Attendez, je prends un petit virage. Hop. Hop, voilà. Après, prochainement, peut-être des petits tests de moto électrique. J'ai été approché par une entreprise. Je suis pas fan des motos électriques, mais il faut toujours tester. C'est pour découvrir. Il y a peut-être des gens qui aiment ça. La moto électrique, en niveau accélération, hein, c'est voire même mieux que la 636. Hein, donc voilà. Mais c'est une autre philosophie. Hein, voilà. Voilà. Je réponds à vos commentaires en description. Vous avez le lien. Vous avez mes réseaux sociaux. Hein, donc bien sûr Facebook. Si vous êtes intéressé par la moto, parce que je vais la vendre, vous venez en privé sur Facebook me parler, pas de soucis, je vous répondrai. Je pense mettre une annonce bientôt aussi. Aussi, j'ai un petit message, entre guillemets, les collègues youtubeurs, même si je ne traîne pas avec les autres youtubeurs, je suis plutôt solitaire. Faites très attention à ce que vous mettez sur YouTube. Faites vraiment attention à ce que vous mettez. C'est un conseil d'amis, mais après vous faites ce que vous voulez. Hein. Et dites-moi si je voulais que je fasse des petites vidéos avec la GPZ. Oui, c'est une mamie, hein. Elle est de 92, hein. Voilà, ça n'a rien à voir avec la 636 là. Mais voilà, je l'ai bien retapé, ça marche correctement, ça fait 60 chevaux, voilà, donc c'est pas mal. Et j'espère que le court-métrage, les plans vidéo que j'ai fait juste avant sur la vidéo vous a plu. J'ai voulu faire un truc assez sympa. Et je remercie le photographe entre guillemets pour la miniature. De toute façon, vous aurez son lien dans la description de la personne qui m'a aidé à faire la miniature et aussi les plans vidéo. Voilà. Je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à mettre des commentaires et à liker la vidéo tout simplement, voilà. Comme d'habitude, je compte sur vous et à la prochaine.